Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Kylian Mbappé qui a annoncé son départ du PSG. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater. Je compte sur toi frérot, et nous les mecs on est partis pour parler de l'annonce terrifiante de Kylian Mbappé. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, l'attaquant français prévoirait bel et bien de quitter le PSG libre au terme de son contrat à l'été 2022. En juin dernier, dans les colonnes de l'équipe, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, se voulait très rassurant quant à la prolongation de contrat à venir de Kylian Mbappé au PSG. Je vais être clair, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça avance bien, assurait le président du club de la capitale. Et pourtant, en coulisses, l'évolution de ce feuilleton semble bien différente. Le journal L'Équipe a annoncé ce dimanche dans ses colonnes que Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger son contrat avec le PSG, estimant ne pas avoir reçu suffisamment de garanties sur le recrutement. Et de son côté, la direction francilienne resterait inflexible sur le sujet d'une éventuelle vente cet été, ce qui laisse donc présager l'idée d'un départ libre d'Mbappé en juin 2022. Voici en tout cas pour cette petite vidéo mercato sur le PSG, plus précisément sur Kylian Mbappé. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Paris va réussir à prolonger Mbappé, ou soit qu'Mbappé tout simplement va partir à l'été 2021 ou bien l'été 2022? J'attends ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On est presque 32 000, c'est juste exceptionnel. Je vous kiffe, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Salut.